Salut toi qui rejoins la vidéo. Si tu viens de découvrir ma chaîne à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. De partager autour de toi, n'oublie pas le pouce bleu pour nous référencer, pour avoir plus de visibilité. Laisse ce que tu penses en commentaire, ça permet de m'améliorer pour les prochains épisodes. Tu peux aussi laisser ton intuition pour le prochain épisode. Soutiens-moi avec mon code créateur Slimber. Merci à toi si tu le mets dans la boutique Fortnite. Voilà, je te dis bon visionnage à toi. Attention, silence, ça tourne. Bonjour madame. Il me faudrait un poisson bleu vageon et un poisson rouge, s'il vous plaît. Vous avez ça, à tout de suite. Merci à vous madame. Alors, vous avez de la chance. C'est les deux derniers. Un vageon et un poisson rouge. Et avec ceci ? Ça sert à tout, merci. Chez ces temps-ci ? Non, pas trop. Il fait trop chaud dehors. Comment ça? Je cherche un dépositaire pour lui acheter son poisson. Si vous voulez, je peux dès demain vous livrer du poisson frais. Oui, avec joie. Ok, pas de souci. Je vous dois combien? Rien du tout, c'est pour moi. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. On se dit demain à 6h. Ça marche. Au revoir, à demain, monsieur. Bon, quel programme intéressant y a-t-il? Ceci a l'air pas mal. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à la télé? Non. Ça, non. Ça, oui. Ça te plaît? Alors, on t'attend sur utip.io pour suivre tes créatrices et créateurs favoris. J'irai y faire un tour, ça fera plaisir. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? C'est quoi cette première fois que l'arrière est sans là? Ouais. Bon, quelle heure est-il? Allez, c'est décidé, je pars à la pêche. Il n'y a pas grand-chose à la télé. Comme ça, il n'y aura personne. Voyons voir si ça mord. J'ai toute la nuit pour pêcher du poisson frais. Ah mince, raté. Allez hop, deux poissons. Allez, petit poisson. Il est malin, il veut pas être pêché. Ah, je vais enfin te pêcher. Encore un peu. Parfait. Oh. Ah non, ma prise. C'est quoi ce bruit? Mais d'où ça peut venir? C'est quoi ce bordel? Elle vient d'où cette musique? Qu'est-ce que c'est encore ça? C'est n'importe quoi. Ça leur arrive souvent à faire autant de bruit à cette heure-ci? Si je sais qui c'est, il va m'entendre.
T'es qui toi là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas lui? Il a peur de moi ou il attend quelqu'un? Je vais aller m'en assurer. Je peux vous aider? Il vous arrive quoi? Vous attendez quelqu'un? Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur, excusez-moi. J'étais en train de pêcher toute la nuit, quand au moment de remonter ma ligne, un hélicoptère est passé au-dessus du lac, avec la musique à fond et deux personnes à bord. Ils m'ont fait perdre ma prise. Savez-vous qui c'était? Je suis en colère. Ils m'ont fait perdre ma prise. Et si je vois qui c'est ou si je les retrouve, ça va chier. Désolé, j'étais chez moi, quand tout d'un coup, juste au-dessus de chez moi, j'ai entendu la musique forte. Du coup, je suis sorti, il me semblait que c'était un DJ. J'ai reconnu une musique. DJ? C'est quoi ça, un DJ? Voyons, c'est une personne célèbre qui anime des soirées en créant des morceaux de musique et en les partageant au public. Je comprends rien. Écoutez, du tout. Je pense que si une fête est pas loin d'ici, il en parlerait à la télé. Venez avec moi, on va vérifier ça. Vous vivez ici? Oui, depuis toujours. Je vous ai jamais vu. Ça doit être dur avec la chaleur. Oh, on s'habitue. Oui, remarque que vous avez l'eau pour vous rafraîchir. Oui, mais l'eau donne des coups de soleil en mer. Marin, t'es là? Si tu es là, je t'ai posé deux frites pour midi. Oui, c'est mon fils. Et marin pêcheur aussi. Dans ma famille, nous sommes tous marins pêcheurs depuis 8 générations. Entrez. Merci. Alors, voyons voir s'il nous parle d'un DJ. Mettez la 15, BFF, la chaîne d'actualité. D'accord, c'est parti pour la 15. Pour le moment, c'est du sport. Du foot? Je déteste ça. Faut parler de pêche plutôt. Ah, ça y est. Oh, ils sont ici à Miss Timido. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se prépare ici? Je comprends rien. Donc, si j'ai bien compris, un DJ va être. Pourquoi Miss Timido et pas à Prison Park? Il ne doit pas être aussi connu que Marshmello ou Travis Scott pour attirer du monde. Et l'entrée à 10 bébés? Seriez où est cet endroit? Bien sûr, le chemin est pas loin de chez moi. On peut y aller ensemble? Oui, on peut aller voir comment ça se passe. Au moins se renseigner. Exactement, ça ne coûte rien. Ça vous fera bouger un peu. Je marche très bien encore pour mon âge. Et je vais le prouver de suite. Allons-y. C'est parti. Bon, allez, venez. J'arrive, je suis là. Ça ne sert à rien. Allez, plus vite. Eh ben, je suis là. Par là-bas? Oui. Mais attendez, vous savez même pas où j'habite. Ah oui, effectivement. C'est sûr que si j'avance sans savoir où aller, passez devant. Je vous laisse ouvrir la voie. Allons-y, c'est par là-bas. Ne me perdez pas de vue. J'ai une bonne endurance, croyez-moi, jeune homme. C'est parti. C'est par là-bas. Attendez-moi, j'ai pas dit que j'étais une flèche tout de même. Oh, vous m'entendez? Oui. Comment vous vous appelez? Vendetta, et vous? Moi, c'est Ressac. On va se tutoyer, Vendetta, ce sera plus simple. D'accord, ce sera plus simple. Oh, Vendetta, tu peux ralentir un peu? Croyez que t'avais une bonne endurance. On y est, Isaac. C'est là, derrière la montagne. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Regarde, apparemment, un videur à l'entrée. Vigile, dans une boîte de nuit? Oui, il y a toujours eu des videurs en boîte de nuit. Ah bon? Rassure-moi, Isaac, tu es déjà allé en boîte de nuit? Jamais. Bon allez, on redescend, on va aller voir devant. C'est rassurant. Attends, Isaac. Attends-moi, Isaac. Descends et tais-toi, on verra après. Oh, d'accord. Bon, maintenant, Vendetta, c'est vers où? C'est par là, Isaac. Oh, monsieur veut faire la course, on dirait. Non, pas du tout. Évite de trop parler, tu vas t'essouffler. Ça m'étonnerait. C'est plutôt toi. Je ne crois pas, haha. On y est. C'est pas trop tôt. Attends 5 minutes, une pause s'impose. Tu vois, tu t'es essoufflé. Attends un peu, je suis crevé avec la pente. Ok, on se pose 2 minutes. Bonsoir monsieur. Bonsoir, pièce d'identité. Allez, on y va. Alors c'est ça un videur? Oui, c'est ça. On dirait que je connais quoi, le videur. T'es sérieux? Tu le connais? Oui, il me semble que je suis déjà parti à la pêche avec lui. Ah ben c'est cool, peut-être qu'il nous fera une fleur pour rentrer. Posons les doigts. Mais dis donc, vous n'êtes pas majeur. J'ai 18 ans dans 2 jours. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous faire entrer. Monsieur, pourquoi devrais-je vous laisser entrer? Je viens pour le DJ Lama. Je suis un grand fan et mon rêve c'est de le rencontrer. Il se passe quoi à ton avis, Isaac? À mon avis, le jeune ne peut pas rentrer ici. Je pense qu'il n'est pas majeur. Oui, je pense aussi. Allez, vu que dans quelques jours tu deviendras majeur, je te laisse passer. Mais n'abuse pas trop de la boisson, tant que tu n'as pas 18 ans. Promis, merci monsieur. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir monsieur, c'est combien? Serait-il pas monsieur Ressac en qui face de moi? J'ai cru que tu n'allais pas me reconnaître. Un collègue pêcheur ne s'oublie pas.
quand tu veux, on se refait une journée de pêche. Avec plaisir, Isaac. Excusez-moi de vous couper, mais c'est combien l'entrée? C'est 10 Lebec. D'accord, merci. Tu habites toujours à Mistimidou, Rissac? Oui, toujours. Et dépositaire de la poissonnerie. Ouais, et moi, tout le monde s'en fout. Je te présente Vendetta, c'est mon nouvel ami. Enchanté de te rencontrer. De même. En tout cas, ça a l'air cool ici. Ok, vous êtes en règle. Tenez, les 10 V-Bucks. Mais vous rigolez? Comment ça? Gardez les V-Bucks. Tu rigoles? Non, on paye notre entrée. Non, ça me fait plaisir de vous offrir l'entrée. Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Je te revoudrais ça. Tu ne dois rien. Amusez-vous bien. Profitez à... Ça va être une première pour moi. Sacré Rissac. Toujours aussi jeune dans sa tête. Let's go, c'est parti! On va faire chauffer les platines ce soir. On va danser toute la nuit. On commence avec Skyrim, le Skyrim. DJ Lam va prendre les platines. Créer, nous aimons ça. Oui. Ça va être chaud ce soir. C'est parti pour une nuit de folie. Allez. Oh alors, comment tu trouves? C'est vraiment cool, le son est un peu fort. Normal, c'est une boîte de nuit. Aussi, on fêtait notre métier. Avec plaisir. Allons-y. Ne me dis pas que c'est... Santé à notre amitié. À la tienne. On continue avec Fult et New Star, juste la rigole. Vendetta, on va enflammer le dance floor. C'est parti. Le videur, elle est sur la piste, go! Même videur, je m'amuse. Allez, tout le monde à la pêche. C'est pas ici que tu chopperas du poisson. Je vais en profiter à fond. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. J'adore l'électro. Plus fort! Qui un jour aurait dit de m'amuser comme ça? Moi? N'hésitez pas, les boissons sont offertes. J'espère que vous êtes chauds ce soir. On demande les voix avec Ivan Huawei. Allez papy, se meurt sur le son. Qui est papy? Personne n'est vieux. La papy, pourquoi tu les sens? C'était excellent, ça me rappelle ma jeunesse. Papy, les gars, fais des articulations. Tu nous as fait quoi là? T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Magnifique cascade, papy. Si, petit. J'aimerais tellement faire pareil. J'adore cette soirée. Oula, papy, où tu vas comme ça? Allez, papy! Papy, fais pas de fou! Hop, et hop, et là, et c'est là. Trop facile. Et voilà! On applaudit, papy! Je m'appelle Rissac! On applaudit, Rissac! C'était impressionnant. Bravo, papy, bravo. Comment tu fais tu ça? Tu gères la fougère. Rissac. Ouais, papy, ouais. Salut, viens, on va faire une patrouille. Ouais, pourquoi pas? Tu entends la musique comme moi? Oui, j'entends très bien la musique. À mon avis, ça doit venir de la villa des skieurs. Viens, on va voir. Ce titre est pour Papy FL65. Ok, je te suis. J'espère que la poisson est fraîche. Fais gaffe, Vendetta. Tu suis derrière? Ouais, la pente est raide. Ça va aller. On arrive bientôt. Vivement, j'en peux plus. Encore un petit effort et on y est presque. On y est. C'est pas trop tôt. Ah c'est chaud, ah ça brûle. Je vais chercher un extincteur de fuite. Ah c'est chaud. La porte est ouverte. Viens, on va voir. On peut souffler un coup? On pourra se reposer après. Je veux voir tous les volets. Je vais péter les watts. Let's go, let's go.
passé une soirée aussi cool. Je kiffe ce son. Il est vraiment trop bien. Bien, il y a des gens. Bien, on va contrôler tout ça. Je vais contrôler le jeune et tous les deux autres. Ok, ça marche, Tolek. On arrête tout, le son, la fête est finie. La liqueur. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Oula, c'est quoi cette boisson? Rien, c'est du jus d'orange. Oui, bien sûr, et moi je suis le Zinflop. Allez, papier d'identité, vous êtes majeur, vous avez rien à faire ici. Bougez pas. Madame, j'ai rien fait. Où est le patron? Vous êtes le patron? Je suis le DJ de la soirée, je sais pas où il est le patron. Bonjour messieurs, contrôle de police. Il se passe quoi? Juste un contrôle de routine. Carte d'identité, s'il vous plaît. Quelle heure vous l'avez vu pour la dernière fois? Il dansait avec ces personnes là-bas, il y a environ 2 heures. Et vous continuez la soirée, même la journée? Bon, tout le monde sort de la boîte de nuit. Monsieur DJ Lama, venez avec nous, ainsi que le jeune ici présent. Non, monsieur le policier, je vous jure, j'ai rien fait. Vous n'avez rien à faire ici. Vos parents vont devoir venir vous chercher au commissariat. Non, monsieur, je vais me faire engueuler. Il va falloir assumer de ses actes. Out of sight.